Bienvenue au Bon Cœur. Alors moi c'est Claudie Léger, responsable du musée. Et Cécile Mathieu, également responsable du musée. Donc le musée a réouvert ses portes le samedi 30 mai, donc après les 2 mois de fermeture suite au confinement. Et donc on accueille de nouveau du public tous les jours, entre 10h et 19h. Alors quelques nouveautés dans le musée, notamment cette veste peu commune, ayant appartenu à un résistant français, Raymond Devos, durant la Seconde Guerre mondiale. Officier d'aviation dans les forces françaises libres et agent de renseignement dans le réseau du colonel Rémy C.N.D. Castille, il fut arrêté lors d'une mission d'espionnage du mur de l'Atlantique et déporté. On voit d'ailleurs très bien sur la veste, avec le triangle rouge, un signe de déporté politique. Voilà, et il s'agit d'un don de sa fille. La deuxième nouveauté du musée est la création d'une visite guidée entièrement virtuelle sur les 300 mètres carrés du bunker. Le public sera immergé dans le bunker pour une visite complète en français ou en anglais en compagnie des directeurs Luc et Marc Brouwer. La totalité du musée sera visible ainsi que les panneaux explicatifs et les 30 minutes de vidéos d'archives. Cette visite payante sera disponible d'ici quelques semaines sur notre site internet bunkerlarochelle.com.